Les amis, bienvenue dans ce troisième épisode du Let's Play sur Spider-Man. Donc, l'épisode 2 était un peu calme. Oui, je le reconnais, c'est vrai. C'était un épisode, comme je l'ai dit, de transition. On nous a un petit peu introduit aux nouvelles capacités par rapport à la tenue, hein, qu'on pouvait attribuer des modes, qu'on avait des pouvoirs, etc. Bref, voilà. Là, on va s'attaquer aux vraies missions. Je sais même pas d'ailleurs où on va, hein. Si ça se trouve, on va encore nous introduire à d'autres nouveautés. Mais je pense pas, Je pense même qu'on arrive dans une phase de gameplay que vous avez sans doute déjà vu lors de l'E3 2017. Y a pas mal de monde ici, mais aucun le chantier. Bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'il faut ? Ouais, je pense que c'est ça. Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Ça va, c'est son pote maintenant, le doc. Grâce au plan d'Otto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. D'accord. Maintenez X pour fabriquer la toile de choc. Ok. Débloquer de nouveaux gadgets avec des jetons ou des pièces. Bah tiens, on a encore introduit à de nouveaux trucs, quoi. Les gadgets. Vous pouvez utiliser des jetons pour améliorer, gagner des jetons en terminant des missions annexes. Ok, en termission. Ouais. Donc on a... Alors, c'est écrit où ? Le Spider Drone qui cherche les ennemis à proximité et leur envoie des décharges d'énergie. Donc ça, c'est celui qu'on a... Bon, pas vraiment vu dans Homecoming, mais voilà. Toile électrique, ça peut être cool. Bombe de toile. Piège de toile. Ah, quand même, hein. Et au niveau des tenues. Non, bah non, il faudra retourner au labo. Ouais, j'aurais bien voulu voir si on pouvait voir les autres tenues en avance. Ça pourrait bien marcher. Mais je pense pas, hein. Je pense qu'elles seront écrites en verrouillé. Alors, maintenez L1 pour ouvrir le menu de sélection des gadgets. Je sélectionne ma toile de choc, tu vois. Bam. Et j'appuie sur R1 pour lancer une toile de choc. Bim. Direct. Les gadgets ont des utilisations limitées. Éliminez les patrouilles ennemies pour attirer les renforts. Eh ben justement, j'ai pas envie de les attirer, moi, les renforts. Réussir 10 coups de grâce. Entoiler 5 ennemis à un mur. Alors attends. Tac. Faut pas que je me fasse griller, c'est ça? Vu que vous êtes nouveau ici, je vais vous donner la règle. Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Hein. Lui aussi, je lui fais. Allez, vas-y. Je lui fais ou je lui fais pas? Non, je lui fais pas. Je lui fais ça. C'est mieux. Hop. Mais pourquoi ils ont un petit logo vert en fait? C'est ça que je comprends pas. Ah, mais j'en ai plus de façon. Je crois que je me suis fait repérer. Bah ouais, j'avais pas vu ça. Mince. Je crois que je suis repéré, hein. Je suis pas repéré, mais je suis en état d'alerte. Ah ouais, bah y a du monde. Ah d'accord, ça allait one shot quand il y a le truc vert, ok. Comment je suis grillé? Ok. De toute façon, j'avais envie de passer un petit peu à l'action. C'est dommage. J'aime bien faire en mode discret la plupart du temps. Mais là, pour le coup, j'étais en train de découvrir. Hop. Vague 2. What? Alors, maintenez ça pour votre pouvoir de tenue. Ok, je sais pas ce que ça fait. Je crois que ça doit décupler ma force. Oh là! Oh non, en voilà d'autres!
débarrasse en premier de celui qui a une arme quand même. Mec, il fait tomber l'échafaudage quoi. Ah ! Aïe aïe aïe, il a tué son pote. Du trafic d'armes. Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Oh là. Oh là 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 là, c'était esquive mon gars. Ah oui, c'est vrai, maintenant quand j'esquive, je leur mets un coup de toile dans la tête. Quand j'esquive au bon moment. Oh, what the hell? Qu'est-ce qui s'est passé là? Grenade flash, je crois, un truc comme ça. Oula! 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 J'ai crevé. Mec! En fait, il est très chiant, lui. Il est très chiant avec sa matraque. Oups! J'ai failli crever. C'est bon! Waouh! Eh, c'est quand même dur, hein! Votre nouvelle tenue dispose d'un pouvoir de tenue. Les pouvoirs de tenue vous confèrent des aptitudes spéciales. Votre pouvoir de tenue actuel génère de la concentration en continu. Une fois celle-ci utilisée, votre pouvoir de tenue se régénère. Ah d'accord, donc ça décuplait pas du tout mes trucs. Mais j'ai pas envie de l'activer. Y'a plus personne. Ah si, encore, d'accord. Si j'ai appelé leur copain. Oh, on finit pas donc. Allez hop. Tac, tac, tac. Oh non, il y en a encore. Non, je suis... Mec, arrête, arrête, arrête. Eh, franchement, par contre, le jeu est dur. Soit je suis nul, hein, dites-moi dans les commentaires, soit vraiment, vous voyez, je me fais pas toucher de ouf non plus. Je me suis pris 2-3 balles, quoi, je suis KO. Bon, heureusement, on reprend directement à la vague 4. Eh, peut-être vous pouvez dire que je suis nul, hein, y a pas de soucis. Hein, une grenade. Allez, hop. J'accepte toute remarque, mais qu'elle soit construite. Regarde, ben mec, je viens de me prendre une balle, j'ai déjà perdu un quart. Non, 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 il est assez dur le jeu. Eh bah ben, j'étais habitué aux anciens Spider-Man, ils étaient... C'était assez facile. Désolé, quoi. Désolé d'être nul. Ouais, John Cena. Hop là. Ah, il est chiant lui. Je peux rien faire tant qu'il est en l'air. Je change de mec. Hop là. Hop, passe en dessous. Hop, hop. Viens là mon grand. Bim. Hop. Qui a envie de se rendre? Pourquoi vous restez là? Merde, je suis en combo x30, hein. Petite grenade, attention. Oh, il faudrait que je la renvoie, la grenade. Oula. Je la renvoie. Boum. Et ça s'enchaîne bien là, ça s'enchaîne bien. Pendant que l'autre est en haut. Boum. Je te le balance. Oh, y'a un roquette. Ah, il est pas mort, il est pas mort. Reste au sol. Au 45 mec, repère de fisc terminé, bah, c'était vraiment difficile. Mais voilà. Faut pas oublier que j'en suis qu'au 3ème épisode, j'ai pas encore assimilé toutes les commandes. Et ça commence à rentrer. Enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Ah, il me manquait 2 coups de grâce. Oh non. Je suis dégoûté. Jusqu'à d'autres chantiers en ville.
Je parie que ce sont aussi des façades. Terminer plus de repères de Fisk pour gagner d'autres jetons de base. Ok. Il y a vachement de trucs à faire dans le jeu. Ok, très bien. Bon. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. Niveau 4. Pas mal. Vitesse de balancement plus 5%. Et je sais par quel commencer. Allez, visite touristique, mission principale, atteindre un point d'observation. Yeah, yeah, yeah. Ça va peut-être s'accélérer, hein. Je vous l'ai dit quand même en début de vidéo, que ça allait s'accélérer dans cet épisode. Pour le moment, pas tellement. Mais bon. Hop là. Ça, c'est le kiff, bébé. Et hop. Ce bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Appareil photo ? Maintenez L2 pour cadrer ? Genre, je dois cadrer, là ? Attends, je vais faire une belle photo, là. Elle est pas ouf, mais bon. Ça fera l'affaire. Ah, on doit faire des photos. D'accord, des monuments, 1 sur 16. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Bon. On nous introduit encore aux petits objectifs secondaires, hein. C'est pas vraiment fini. Activer les tours pour trouver les crimes à proximité. Je suis pas sur une tour d'ailleurs, là. Non, pas du tout. La prochaine est là-bas. C'est Monsieur Lee. Ah, Monsieur Lee. Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Bah dites-moi. Okay. Hein. J'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Ah. On doit encore faire des petites missions de Spider-Man de quartier. Salut les Hendek. Je dois décrypter cette tour. Un cambriolage en cours, j'ai vu. Mince. Attends, je suis en train de faire ça avant. Ah non, on y est. Ouais, c'est bon. Allez, détecte-moi les missions autour. Niveau 5, yeah. Point de compétence, il faut que j'utilise ça, les points de compétence. Ok, déjà, il y a un truc là. C'est pas un monument, ça. Je crois que c'est un monument. Comment je sors mon appareil? Merde, j'ai déjà oublié, c'est flèche du haut. Non, c'est pas du tout ça, si. Si, c'était flèche du haut. Ensuite, comment je fais? Je fais ça, et je prends ça en photo. Mec, y a rien. Y a des oiseaux. C'est moche. Non, ça doit être en bas, il y a un monument en bas. Bah, c'est pas ça. Si, si, c'est le musée. Ça doit être un musée. Exactement, c'est ça. Attends. Bonjour, monsieur Muggins. Allez hop. Si bibliothèque de New York. Ok, très bien. Je savais pas que c'était une bibliothèque. Cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion. Attendez, attendez. Je suis payé en fin de semaine. Je peux. L'expulsion débutera vendredi si vous ne. Il y a embrouille, il y a embrouille. Paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. What? Bonne journée. Comment ça, il y a embrouille en haut là? Qui c'est qui s'embrouille en haut? What? Il y a des trucs qui tombent là. Boum. Vous forcez quoi là? Hop. Hop, hop, oh là, il y a les gros là. Hop là mon gars. Hop là mon gars, ça me tire dessus au calme. Ils sont durs à tuer les mecs avec les barres de fer. Tu fais quoi, garçon? Vous voyez comment ça s'enchaîne un peu mieux, là? Mec, je suis trop chaud, mec. Tu veux quoi? Boum! Il y a de la pizza. Si vous êtes nul pour le vol et les fractions, vous devriez changer de branche. Crime, 1 sur 5. Ok, d'accord. Il y a une mission à 1300 mètres. C'est parti, joyeux anniversaire, allez au refuge, Fist. C'est... pas bien de mettre ce mot-là quand même dans le jeu. Pas cool. Fist, quoi.
Wouhou! Eh, franchement, c'est un kiff de se balader. J'ai pas forcément envie de parler, quoi, quand je suis en pleine balade, quoi. Je suis en train d'admirer le paysage, d'écouter les bruits de la ville. J'aime la vie. J'aime la ville, j'aime la vie. Ça dérange. Et on est pas bien là, on se sent libre. Qu'est-ce que je kifferais de Spider-Man quand même. Agression signalée, intervention d'un agent requise. Dans le quartier de Little Tokyo, terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Changement de costume, c'est ça, je redeviens Peter. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Cool. C'est super beau, hein. Salut, Peter. Ah, Peter. Les cuisines. Monsieur Lee, ça serait pas lui, d'ailleurs. Monsieur Lee. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, et il y a des boîtes très lourdes. Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour j'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter, que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May m'a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Allez, go dehors. Joyeux anniversaire, terminé. On touche avec les yeux. Mener l'enquête à la salle d'enchères. Alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de fisc. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de fisc? Génial. Je me demandais ce que Kingpin cachait dans ses placards. On entend tout le temps parler de ce fisc, alors que je l'ai arrêté. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous cache encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour m'occuper de ces crimes. Y'a la police hein. Je suis pas le seul hein. Je veux bien aider de temps en temps. Mais je ne dois pas remplacer la police.
C'est d'ailleurs un petit peu le problème qui se pose dans toutes les séries, dans tous les films. Je t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, ton mais. Après avoir perdu mes parents et l'oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, tante, mais je t'aime. Moi, je disais, c'est un petit peu le sujet dans les séries, dans les films de super-héros. Hein, ils se demandent tout le temps. Enfin, ils disent tout le temps que, ouais, on ne doit pas remplacer la police, tout ça. Donc, à tous les agents près de la caserne, répondez. Yori a dit discrètement. Mieux vaut passer par derrière. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, ils la tueront. Je dois agir en silence. Oh oui, petite phase d'infiltration. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Alors attends, est-ce que je peux faire quelque chose du coup? Non, c'est juste pour observer. Je pensais que je pouvais les accrocher. Descendre, ouais, mais si je descends là, je suis grillé, mec. Je le fais, bon, de toute façon, c'est pas le choix. Ah non, d'accord. Cool. On reste discret. Lancer des toiles sur les surfaces et objets pour attirer les ennemis. Ah, ça sert donc à ça quand tu vises, ok. Donc là, je le fais. Tiens, petite toile. Hein? Mais qui donc a lancé cette toile? Oh, lourd! Ils ont eu c'est exactement ce que je voulais faire. Comme ça. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Je devrais le piéger d'en haut. J'appuie sur carré là, tu veux quoi? Ça voulait pas. Voilà, là on retrouvera pas le corps en plus. Bon, doucement. Alors il y a un mec là. Positionnez-vous derrière un ennemi pour réaliser une élimination silencieuse. Sois sage maintenant. Quelqu'un approche. Viens voir ici. Hop. T'as des limites. Quelqu'un d'autre est là. Je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Hein? Dites-moi. Wow. Où est-elle? Je ne sais pas. Je le jure. J'en sais rien. Active, Peter. Les méchants vont devenir très méchants. Faut que je l'aide là. Non, là je peux pas descendre, sinon je suis grillé. Ah mais je suis obligé de descendre. Non, je peux pas faire ça. Bon bah tant pis hein. Ah non, c'est bon, d'accord. Ok, appuie sur R3 pour afficher les ennemis pouvant être éliminés sans danger. Donc lui c'est bon, mais lui il faudrait que je l'attire. Faudrait que je l'attire genre là-bas. Ah mais c'est bon, j'ai appuyé sur R3, tu veux quoi? Si vous attaquez un ennemi avec une icône de danger, vous serez repéré par les ennemis aux alentours. Vous pouvez attirer les ennemis en lançant une toile sur les surfaces de... Bah c'est ça, ce que je voulais faire. Ah mais on me dit de le faire sur ça.
chercher des diversions. Mais c'est bon, je l'ai trouvé, mec. Voilà, pendant que ton pote y regarde là-bas. Et maintenant... Sans danger, je peux. Il n'a pas vu venir, celle-là. Voilà. Alors. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Mais ça appartient à... Bouge pas. Oh, mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Ouais, passe-nous le blabla. Ah, 15 minutes plus tôt. Ah non, bah, va pas nous passer, va... On va être en image, quoi. Ça va être en image. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolé, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop. Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig, laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord. Et du coup, je contrôle Mary Jane, quoi. Je m'y attendais pas. Katana du 14e siècle. Un katana attribué à Masamune. Se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. On peut s'attarder sur chaque pièce pour avoir une petite anecdote, je pense. Ça marche. Admettons... On va regarder ça. Un violoncelle du 18e. Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa? Bonne question. Mais bon, on va parler à la madame. Tout d'abord, la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Oui, allez. Regardez les suite. Fines incrustations dorées de ce service à terre rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Je... Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là.
Je te prends en photo comme ça, non ? Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk ? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, wow. Tu crois que je vais rester là ? Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça, c'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes ? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Je vais faire pipi. Tralalalalair. Attends, j'ai pas vu tout ça, là. Bon, c'est juste une salle. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Ah. J'entre dans l'arrière-salle. Je suis grillé. Cette statue est bien ce que je crois. Je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement ? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est... Lorsque les ennemis ont des soupçons, un symbole, point d'interrogation apparaît, ils commencent à fouiller la zone. Ok. Et alors ? Qui est dans ma salle d'enchères ? Oh mon Dieu. Allez ! Non, je doute que tu puisses régler ça. Avance ! Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle. Elle va pas me... Elle va pas me lâcher, elle, je le sens. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Je crois que je vais y aller, hein. Ouh ! C'est passé. Bien sûr, Craig. C'est ça. Mais... Arrête de me faire défendre comme ça ! Je ne te crois pas. Je vais te défoncer. Oh putain, mec ! En vérité, je suis grillé. Heureusement que c'est un jeu vidéo. Bien sûr, refais Craig. Ça, retourne-toi comme tu viens de faire. C'est ça. C'est une sacrée bâtarde. Oh non ! Non, 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 pourquoi tu fais je des trucs comme ça ? C'est pas cool, tourne-toi s'il te plaît. Voilà, on peut passer maintenant. Allez hop, vite, 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 vite. Oh, j'étais plus en sûr que Mary Jane, je crois. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris ? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment ? Cette statue s'ouvre ? Ah bon ? Comment ça ? On parle de quoi, là ? Je me demande s'il y a des indices ici. C'est le Nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Ah, donc on doit tourner la tête vers la droite, un truc comme ça. Et regarde vers la gauche. Ok, bah c'est bon, j'ai trouvé l'énigme. Comment je fais ? Comment je fais ? Mais j'ai compris ! Pourquoi vous me le remontrez ? Qu'est-ce que vous voulez que je regarde ? Bah, je sais pas pourquoi elle veut que je regarde là. Ah, attends, non. Il y a ça aussi. Examiner. Pivoter. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche. Ah, d'accord, faut pas changer que la tête. Oula ! Oula ! Ils vont compliquer les choses. Alors, il a une main levée. Ok. Bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit ça. Là aussi, il y a encore un truc. Il tient quelque chose. Il tient un bâton. Oh, oula ! Donc je vais prendre le bâton, je vais lui mettre dans la main, un truc comme ça, non ? Il y a autre chose à faire ? Ah non, c'est bon. Alors. Peut-être que ces trucs bougent. Bah oui, ça bouge. La tête notamment. Voilà. Ah ouais, d'accord, faut vraiment... Ah ouais, attends, bah...
Allez me le dire ça. Ah bah il est en mode eh pop pop pas bouger. Donc en mode pop pop pas bouger, il est comme ça. Voilà, pas bouger. Bras gauche en bas, paume droite en avant. Ensuite, il lui faut ça dans les mains normalement. Là, fais voir. Et franchement, normalement, il est bien là. Ah non, là sur la photo, il a le bras droit baissé. Alors attends. Deux poses. Bouche fermée, bras gauche. On peut bouger bas, la bouche. Paume droite en avant. Bien. Presque. Ah, attends, j'y suis presque, elle a dit. Il manque quelque chose. Bah oui, le bâton. J'ai déjà vu ça. Ouais, c'est ça, vas-y, prends. Prends. Pas le temps de niaiser. Hop. Tu lui places dans la main. Énigme résolue. Ça ne va pas? Comment ça? Attends. Dans cette main, non? Mais c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Je te jure que c'est ça. Purée, j'y croyais de ouf. Mais non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, au pire. Quelque chose dans la main. Bah oui, c'est celui-là que j'ai pris. C'est le bâton. Il est en mode patouche, tu vois, de la main gauche. Hop, hop, hop. Et dans la main droite, il a le bâton. Après, c'est au niveau de la tête. Là, il a le regard baissé. Ah, non, c'est ce bâton. Excusez-moi, j'avais pas vu. Ouais, attends, je vérifie une dernière, désolé. Ouais, c'est le bâton avec les petits pics, ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. Ça me paraissait trop simple que ce soit le bâton du milieu, quoi. Voilà. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Oh, oh. Mais qu'est-ce que... Oula. Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé une retrouvaille. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. Ah, c'est cool, ça. Merci de me le dire. D'accord. Ok. Ouais, ok. Je peux alors m'occuper de cela avant de continuer. Il y a un mec là, déjà, c'est sûr, je peux le tuer. Normalement... Oh, attends, je vais scanner, ouais. N'a pas d'autre. Ok. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Mince. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Non, c'est bon. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici, le dossier, toi. Attends-moi. Et voilà. Alors, on va faire ça. Du coup, ça a attiré que lui, ouais. Parfait, ça. Parfait, on pouvait pas rêver mieux. Bim. Et là, on va faire pareil. Ne te relâche pas, Peter.
Et pour le moment, on est en 100% infiltration. Bon, la salle est sûre. Alors après, il en reste 3 plus celui qui garde la meuf en otage. Comment vais-je faire? Bon, déjà, je vais descendre. Hop là. Tranquillement. Alors. Celui-ci, je pense qu'on peut se le faire. J'espère que j'ai bien analysé, hein. Ouais, c'est bon, il y en a bien que deux. Ok. Faut que j'en attire un à peu près. Je pense là, hein. Tac, 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 fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Une pièce fais vite. À la fois. Je dois dégager. Et ça, voilà, on est bon. Le dernier. C'est qui le patron? MJ. MJ. Arrêtez. Non. Cache-toi. Oula. Oula. Ça c'est pas cool les gars. Oh, c'est what the hell otages, ouais, c'est pas cool ça d'avoir des pouvoirs. Ok. Très bien. Vous pouvez, vous avez le droit d'avoir des pouvoirs, il n'y a pas de souci. Vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté des fantômes moi. C'est censuré. Enfin, j'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez? Ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes. Tant pis, je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs. Il m'énerve lui. Hop, hop, je suis en 43. 45 maintenant, je sais même plus où je suis. C'est bon, j'ai tué tout le monde. Ah! C'est quoi ces armes? Ah oui, d'accord. Le gars, il a le marteau de Thor. Boum! Ça, toi! Tac! Tac! Allez, hop, cloué au sol. Bim. Vous voyez, les combats, ça se passe un peu mieux maintenant, les gars. Je tape des vrais trucs. Le hop. Cardio, c'est fait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça... Je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. J'ai kiffé la petite présentation des SMS, tout ça, la petite relation Peter, Mary Jane. Du coup, je savais même pas que elle était au courant, en fait. Bah, je vous ai dit, je me suis pas spoilé du tout sur le jeu. Je sais juste que on incarnait déjà un Spider-Man assez entraîné. Voilà. On en avait marre de se retaper tout le tintouin. Aucune idée.
Oncle Ben et compagnie. Je suis content qu'il fasse encore ces fameuses frites. Tu m'étonnes. Les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle ? Eh ben... En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi ? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis ? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi ? Tu l'as eu finalement cette promotion ? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter ? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis. C'est ce qu'on est pour toi. Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu ? C'est une question piège, pas vrai ? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Oh ! Je vous ai toujours bien aimés tous les deux. Non, ils l'ont fait quoi, même dans le jeu. Des barres. Et c'est fini pour ce troisième épisode, les amis. Je ne sais pas où on doit se rendre, à 2800 mètres. Voilà, et on passe en même temps niveau 6, c'est parfait. Et Hermann Schulz est de retour. Il vient pas d'être libéré. Shocker. Ah ouais. Ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Herman est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Eh bien, on s'occupera de lui. Après avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Ouais, donc je disais, on s'occupera de lui, les amis, dans le 4e épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Après un petit début encore introductif à certains pouvoirs, certains gadgets, etc. Là, je pense qu'on en a vraiment fini avec le côté tutoriel du jeu. Tiens, il y a la tour Fisk. Maintenant, oh, Otto. Peter, ah bah. Je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Hey, j'ai même des appels de mon poteau le Doc. Voilà, bref, il m'a coupé. Donc les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite de Spider-Man PS4. À très vite, tchuss.